Et bien sûr tout le monde, c'est Xeska, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur God of War Ragnarok. Et la voix à l'être revenue, c'est cool. Bref, allez, on va t'arrêter ici. Et qu'est-ce que je dois faire? Que je dois aller... Ah, ici. Je les entends, Alain. Allez, mon chevaux doré. Tiens-toi prêt à les éliminer. J'y vais. Salut. Allez, casse le bouclier. Allez, mange tes morts. Coupé en deux. On adore ça. Allez. Easy. Et qui est le prochain? Ah, gâchis. Pas grave. On fera avec. Pour la vie. Non. Sérieux, il s'est barré au moment où je lui balançais. C'est pas cool, madame. Ça m'empêchera pas de vous flinguer. Ok, vous jouez à ça. J'arrive. Allez, donne-moi de la vie, 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 de la vie. Ils font chier avec leur bouclier là, hein. Voilà. On prend ça, on prend ça. Messieurs, dames, où êtes-vous? Quoi qu'il est gros, lui. Ça n'empêchera pas de le flinguer. Hey, prends du feu. Toujours bon pour assentir le feu. Et merde. Ah, je suis tout feu, tout flamme. Elle est où? Oh merde! Hé! Hey, madame! Vous cassez les couilles, hein! Hey! Sors-toi un petit peu lâche! Allez hop! Allez! Voilà, ta cage thoracique terminée! Elle est où? Je l'ai entendu. Elle est où? Madame? J'ai pas... Oh, mon dieu, là-bas. Attends, j'arrive. Laisse-moi deux secondes. Méchante. Tiens, un petit coup de laser, là. Voilà. Comme si ce qu'Odin a fait n'était pas suffisant. Il a aussi détruit tous les souvenirs de mon foyer. Estime-toi heureuse d'avoir de bons souvenirs de ton foyer. À Sparte, on est enlevé à son foyer dès l'enfance et on reçoit la gaugée. On marche ou l'on tombe. On se bat pour des restes ou l'on meurt de faim. On est battu par ses aînés jusqu'à ne plus tenir debout. La nuit, on rentre seul en tentant d'échapper au loup. C'est ainsi que grandit un Spartiate. Du coup, double raison pour faire les anciens. Ces plantes sont semblables aux poteaux d'infamie qui se trouvaient autrefois dans les contreforts de la gare. Ah, pour les geler, c'est ça? L'éducation que reçoivent les Spartiates, ce n'est pas étonnant que tu sois devenu ce que tu es. Ton destin était scellé dès le départ. Le destin peut être changé. Non. Ce que je pensais. Quand les normes m'ont annoncé le destin de mon fils, j'ai cru pouvoir le changer. Tu sais bien ce qu'il en a été. Les normes, les moires de ces terres. Exact. Tu défies la prophétie à tes risques et périls.
une upgrade. Ça fait toujours plaisir. Allez, reviens, vache. Ouais. Sérieux, je dois tirer la corde. Atreus ton point de vue sur la prophétie. Il se rue aveuglément vers un destin prédit par les géants. Il disparaît deux jours, cherchant à prouver qu'il est leur champion, censé se battre au Ragnarok. Comment ? Je connais toutes les prophéties du Ragnarok. Aucune ne mentionne un champion des géants. Groa l'avait caché. Grâce à ce champion, les royaumes échappent au Ragnarok. Seul Asgard tombe, et Odin avec lui. Donc tout ce temps, malgré son obsession pour le Ragnarok, Odin en a montré une pièce maîtresse. Oh. Bravo, Groa. Atreus ne sera pas un pion de la prophétie. Tu t'opposes encore au destin ? Alors même qu'il annonce la victoire ? Je n'enverrai pas mon fils à la guerre. Ce n'est pas un Spartiate. Je ne veux pas que cela change. Tu me parles à moi de protéger ton fils. Mon drame ne t'a-t-il pas servi de leçon ? Combattre le destin est une perte du temps précieux qu'on nous accorde auprès d'eux. Au moment où on peut venir les porter. Yeah. Ok, faut descendre, non? Non, faut pas descendre, d'accord. Alors on va allumer le feu. On a allumé le feu. Faut encore que je le tourne, c'est ça? Peux-tu lancer cette torche de l'autre côté pour brûler les ronces qui t'empêchent d'avancer? Et what? Ah merde. Ces îlots devraient te permettre d'avoir un meilleur angle pour la torche. Tu ne crois pas? Ces îlots? Quels îlots? Là-bas? C'est moi, monsieur. T'es mignonne, mais même si je voulais l'envoyer de l'autre côté, ça marcherait pas, tu vois. Ah oui. Ah ouais. Bon, en arrière, peut-être ça marchera mieux. Allez, vas-y. Ouais. Traversons le pont maintenant. Parce qu'il y a pas une couille quelque part là. Ouais. Je. Hop. Là, il veut bien. Ah merde, il y a un feu là-bas. Attends, j'en ai allumé deux là, techniquement, hein, on est d'accord. Où est-ce que j'allume celui-là? Voilà, c'est bon, on peut passer, hein. Je suis allé en bas. Avoir tué autant de dieux. Comment quelqu'un comme toi peut-il encore faire un bois? J'ai vu trop de guerres pour en ignorer le prix. Et moi non. Après ce qu'il m'en a coûté d'en terminer une. Regarde autour de toi, Kratos. C'est ce qui arrive lorsque personne ne s'oppose à un destin.
Ah non, je l'ai pas eu, fais chier. Ah d'accord. Pas que je dois revenir le feu. Et celui-là il est allumé bizarrement. Techniquement celui-là faut que je le fasse tourner. Faut que j'utilise le truc et je le fasse balancer à gauche. Génie! Allez. Bon. Continue à tourner. Désolé, hein, je sais que c'est chiant ce genre de passage, mais bon. Faut bien avoir un petit peu de vie, ce genre de choses. Bon, il en faut pas des masses pour finir un God of War en général, mais bon. Il est où le coffre? C'est là. Allez, de la vie s'il te plaît, pas de la rage, de la vie. De la vie, de la vie. Ouais! Plus de vie! Gna gna gna, reprenons notre émission. Je fais ce que je veux, je suis le dieu de la guerre, baby. Pas parce que je suis chauve que t'as le droit de me parler comme ça, ok? Alors, bon, quand est-ce qu'on va détruire le machin qui va lui permettre de pouvoir ne pas se faire absorber quand elle change de monde? C'est l'un des capitaines d'Odin. Tiens-toi prêt. Ok. Vous avez une belle foi, monsieur. Ok. Quand la poète se fait chier, on se fait pas chier. Vas-y, Kratos, tu l'auras retiré qu'une barre de vie, mais c'est pas grave. Rayon laser! Et merde! Et putain! Mais d'où? Mais d'où? Eh, il va m'avoir, hein. Eh, non, il m'a pas eu. Quoi qu'on a eu? Glaive! Lancer un chakram de Bifrost qui traque les ennemis. Nul à chier. Attendez, un instant. Ça ne te rendra pas ce que tu as perdu. Me tuer non plus. Oh, j'en ai assez d'entendre tes sages platitudes. Veux-tu bien te taire et te contenter de tuer? Oh là là, t'es cru pour Athéna là ou quoi? Quant à toi, te taire et continue à te tuer! Moi je suis Père Noël. Ah ah! Je savais! Oh la ferme Freya, tu commences à devenir gavante là, hein? Tu veux jeter dans ta quête, faut bien que j'améliore Kratos, hein? Oh! J'imagine bien qu'il est plus, il est plus tout frais, Kratos, hein. Il est vieux, il a de la barbe grisonnante. C'est bon. Casse plus les couilles, Freya. C'est quoi, Zoé? Ah, ça plante dégueu. Allez, allez, allez.
Encore une énigme. Laisse-moi deviner, ça passera pas à cause du... Voilà. Oh, t'es trop. Je vous ai vu, bande de salopes. Du loot. Non. Ce sera des ressources. Alors... Bon. On ne peut pas passer par là. Oh merde! Putain, je l'avais vu en plus. C'est le pire. Ok. Ça me dit que l'objectif, il est par là. Ne oh, là-bas. Plus de tuer. Quoi? Je tue pour protéger mon fils, pour secourir mes amis. Mais je refuse d'être un monstre. Plus jamais. Ce choix ne t'appartient pas. Pas avec la dette que tu as envers moi. Ce n'est pas une question de dette. Dans tous les cas, je t'aurais aidé. Alors, malgré tout ce qu'on m'a enlevé, je devrais simplement tout oublier. Freya. Assez. C'est quoi cette horreur? Allons-y. C'est juste derrière ces portes. Là, je sens la source de la magie qui me retient à Midgard. Où sommes-nous? Chez moi. C'est ici que je suis née. Attends, quelque chose ne va pas. Opinbera. Des racines de l'arbre monde, liées par des nœuds d'Odin. C'est donc comme ça qu'il a fait. Allez! What the fuck? Nidhogg! Protège les racines d'Yggdrasil, qu'elle se trouve. Ce chien comptait là-dessus. Viens, continue. Il a l'air dangereux, lui. Tu es trop lent. La ferme. Il a changé, Nidhogg, dis donc. En tout cas, sur FF14, c'est pas la même version. Ouais, alors je suis foutu. Attrape-la. Elle ne doit pas se cacher dans la tête. Ouais, mais j'ai plus de vie, Freya, là. Ça va être dur. Ça va être très dur là même. Ah ça va, je suis full vie, ça va. Cool. Elle me barre toujours le chemin. Je dois atteindre ses racines. Je sais. Ah là, il fait peur quand même, hein. J'avoue, il fait peur, lui. Oula. Eh merde. Merde! Si je libère la racine de Vanar, putain! Je me charge de la créature! Occupe-toi des racines! J'essaie! Je
vais pas y arriver, là, je suis mort. Lâche-moi, sale bête! Allez! Oh putain, cette queue là! Ouf! Ça a l'air sacrément dangereux comme bête, hein! Ah, arrête de te barrer là, tu te casses les couilles. D'où je l'ai pris? Allez. Mais d'où je le touche là? Comment je fais pour le toucher maintenant? Hop. Tes attaques. Quoi? Let's go! Wow! Merde, je peux pas aller là-dedans, si. Vite! Eh, mange tes morts, Nidog! T'es moche! Merde! Mais non, mais reviens! Avec la hache, faut décider, hein! Vas-y, prendre une pierre de raise. Oh merde. Qu'est-ce que t'avais en stock? Oh merde. Allez, bouffe tes morts. Ah merde, faut pas que j'aille là-dedans. Eh, hey, t'es presque mort là! Abandonne! Non. Rayon laser! Oh oui, vas-y Kratos! Vas-y, montre les équipes de papa là! Allez, Freya! Ouais, bah putain, l'ultime, ça pas grand chose sur elle, hein.
C'est pas vrai. T'avais rien mis en stock? Oh merde. Hey Nidog, couché. Elle va repartir. Nous l'en empêcherons. Je dois briser son emprise. Et tu es un obstacle. Laisse ça. Brise pas. Est-ce terminé? C'est fini. C'est vraiment terminé. Et maintenant que tu as eu ce que tu voulais? J'imagine que le moment est venu de te pardonner ou de te tuer. T'es-tu décidé? Être honnête. Les deux me paraissent impossibles. Il y a une part en moi qui demeure si furieuse. Elle ne me quittera jamais. Elle sera toujours furieuse. Mais non. Ce n'est pas à toi de payer de ta vie. Je le comprends. C'est passé entre nous. Inutile de t'expliquer. Pas avec moi.
pas pour ça. Je ne regrette pas de t'avoir sauvé, et ne regretterai jamais. Mais le choix de vivre ou de mourir aurait dû t'appartenir. Je n'aurais pas dû t'en déposséder. Je suis à nouveau moi. Je crois qu'une visite à mon frère s'impose. Et ensuite ? Je l'ignore. Cela faisait longtemps que je n'avais plus eu le choix. Laisse-moi le temps de m'y habituer. On peut prendre ce chemin. Oh, c'est mignon, ils sont copains maintenant. Je peux t'aider avec ces ronces. Plonge tes lames dans ces ronces luisantes et embrase-les. Ton frère semble enclin à ton retour. Oh, je suis sûre qu'il serait ravi que tout redevienne comme avant, pour me déléguer toutes les responsabilités du pouvoir. Alors, tirer des flèches sur les ennemis en feu ou gelé pour déclencher les explosions élémentaires. Oh, je t'avais pas vu, petit con. Attends. Ressens la puissance. On annule. Ça en garde. Connasse. Attends, cadeau! Mais je veux descendre, moi! Oh, vous êtes pas me casser les couilles, hop! Quand Exvesca a pas envie de se faire chier, rien à secouer. Bim, bim. Salut Odin de ma part. C'est exploiter ta colère. Eh bien, on apprend à se débrouiller avec ce qu'on a. Je ne tiens pas particulièrement à être en colère contre Freyr. C'est mon frère. La moitié de ma vie durant, il a été la personne la plus importante à mes yeux. Ce sont les mêmes plantes que nous avons vues tout à l'heure. Le gel devrait bien neutraliser leur poison. Le gel. Voilà, le seau devrait maintenir le gel, même si tu reprends la hache. Au travail. Ah, nice. Par contre, comment on va chercher le coffre qui était là-haut? Le coffre qui est là-bas.
Quadruid, c'est mort. Attention, vous êtes ce soleil. De puissantes manifestations de magie runique. Ah, magnifique. Pas monté ici. À nouveau un jour chez moi ici. Après tout ce qui s'est passé. Mais Skull et Atis sont à Vanaheim. Nous avons appris que les géants les avaient sauvés d'Odin et amenés ici. Regarde. La lumière du soleil réveille les racines. Vois comme elles s'étendent pour accueillir le soleil. C'est beau, non? On est loin du manteau blanc auquel j'ai dû m'habituer à Midgard. La migration vers l'Est, c'est exactement comme dans mon souvenir. Au moins, une partie du royaume échappe aux prédateurs et aux envahisseurs. Il reste une raison de se battre ici. Quelque chose à défendre, malgré tout le mal qui a été fait. C'est peut-être vrai pour Freyr aussi. Allez Kratos, t'es un dieu, arrête de faire une crise d'asthme. C'est quoi cette horreur? Ça peut pas faire grand chose. Faire quoi du coup? Ok. Bon, ils sont où les nains là? Faut que j'améliore un petit peu mon stuff là. Hey mademoiselle, passez. Mes sauts peuvent percer leurs boucliers. Ah. Moi, Freya, elle est utile. Ça. Bonjour. J'avais remarqué, merci. Allez. Comment on va là-bas? Attention. Ouais, tant que c'est pas rouge, je regarde pas ce qu'il y a dehors. Ou merde. Allez, bouffe. C'est bon, on a réussi. Faut aller où? Faut aller en bas. Il s'est passé quelque chose depuis que j'ai vu Freyr. Je ne sais même pas par quoi commencer. Que veux-tu de lui? Des excuses pour commencer. Je veux lui pardonner. J'aimerais croire qu'il a changé. Il est tout ce qu'il me reste. T'es-tu jamais excusé auprès de Deimos? Il est difficile de demander le pardon lorsqu'on s'en juge indigne.
Comment pourrait-on traverser? Mes flèches sigillaires peuvent sûrement atteindre et enflammer les ronces de l'autre côté de la rivière. Quoi? Kratos, là, ça m'indiquait que je pouvais le faire, mais évidemment, il voulait pas. Le pardon est un outil puissant, même quand il n'est pas mérité. Faye, mon épouse, me l'a appris. Est-ce que tu es heureux d'avoir de bons souvenirs avec ton épouse? Putain, mais ils sont partout, ces enfoirés. En plus niveau 4, je crois qu'au total je suis que niveau 3 moi en plus, ça le pire. Il évite toutes tes attaques. Oups. Voilà. Mais non, mais... Ah, je veux la pierre, je veux pas monter. Merci. Alors, par où? Tout ce que m'a appris mon ancienne moitié, c'est qu'il n'y a pas de limite aux abysses dans lesquels une âme puisse sombrer. Il m'a poussé à l'épouser pour sauver mon royaume, mais il l'a détruit tout de même. Il a dispersé mon peuple aux quatre vents. Peut-être est-il temps que quelqu'un s'oppose à lui. Peut-être est-il temps que la prophétie de Groa se réalise. Je n'encouragerai pas la guerre. La guerre est effroyable, Kratos. Mais certaines choses sont pires. Si Atreus se précipite vers le Ragnarok, tu ne pourras peut-être pas l'arrêter. Je le ferai. Et si tu échoues? Je l'ai préparé à survivre sans moi, s'il le faut. Prends garde aux plantes. Elles m'apprécient, moi, mais pas les étrangers. Oui, je vois. Tu ne pourras pas les endommager sans détruire la mer. On dirait un grand bulbe. Ce qui est marrant, c'est que j'ai réussi à prendre le coffre sans même détruire le bulbe. Alors. Je sais pas que je t'aime pas, mais j'aimerais bien que... Putain, j'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'on a 100, à 200 mètres, là. Si tu ne prépares pas la guerre. Je ne sais pas, mais je ne laisserai pas Atreus courir de risques. Tu dois te décider rapidement, avant que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Prête? Plus que jamais. Nath? J'y arrive pas à le croire. T'es de retour, enfin! Oui. Fais-t'en cela. Tu vas reprendre le trône. On va tout rebâtir. Toi et moi face au monde, hein? Comme au bon vieux temps. Je ne reste pas. Je comprends pas. Tu es ici. Ensemble, on peut reprendre ce qui nous appartient. J'ai seulement repris ce qui était à moi. J'ai encore beaucoup à faire. Tu as vu ce qui reste du royaume, non? Comptons-nous aussi peu à tes yeux? Tu doutes de ma loyauté?
Vanaheim m'a tourné le dos à moi. Oh, tu nourris encore cette vieille rancune. Il était de mon devoir de sauver autant de nos sujets que possible. Une responsabilité que tu n'as pas prise au sérieux, alors. Et à ce que je vois, cela n'a pas changé. Tu crois que tout cela m'amuse ? Nous avons tout perdu à cause de ce fou que tu appelais ton époux. La famille de cet homme m'a brûlé vif. Comment voulais-tu que je réagisse ? Comme mon frère ! Comme le garçon qui était là pour moi, quoi qu'il arrive. Et celui que j'ai toujours soutenu, même lorsque ses choix étaient égoïstes. J'espérais que tu viendrais me chercher. Que malgré la peine et la colère, tu ne m'aurais pas abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Freya, je t'en prie, je te croyais morte. J'ai dû vivre mille vies avec les paroles horribles que je t'ai laissées. Imagines-tu ce que c'est que de savoir que ton égoïsme a nui à la personne que tu aimes le plus ? T'abandonner ? Oh, Freya, je t'ai pleuré. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, une fille. Mais non, je ne me lierai pas à un autre royaume alors que je suis enfin libre. Je t'enverrai de l'aide. Et je reviendrai. C'est promis. Tu n'es plus chez toi depuis longtemps ici. Fais ce que tu dois faire. Allez, c'est bon, ça suffit. Vous n'avez rien de mieux à faire que de les regarder laver leur linge sale en famille. Venez, vous deux. Pas toi. J'ai deux, trois trucs à voir avec vous tous. Primo, tu récupères ta tête parlante. Deuxio, c'est de la magie sigillaire que je sens sur ton arc. C'est une idée que je vais te piquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de magie sonique ? On fait un échange ? Très bien. Et Tertio, si vous prévoyez pas de rester, je tiens à préciser que Sindri et moi, on se retrouve à tenir un refuge pour Dieu déchu. Quand vous aurez fini de vous geler les miches à Midgard, ramenez-vous avec Barbiche et venez dire bonjour à votre copain Tyr. C'est très aimable, Brock. J'y réfléchirai. Bon, allez, là-dessus. Je vous retrouve à la maison. À moins que vous vouliez que je vous bricole un truc avant. Mon frère, veux-tu rencontrer nos nouveaux alliés ou pouvons-nous y aller ? Est-ce que le grand costaud qui t'accompagne accepterait de me rendre un service ? Peut-être bien. Si, toutefois, il est d'humeur à ce moment-là. Non, je suis pas d'humeur. Prends-en soin, et elle te sauvera la vie. Alors, j'ai pas fait monter au niveau. Non. Ajoute une onde percutante à la fin du combo ! Ah ah ! Ah, ça m'intéresse.
une onde de choc à la fin du combo, ça peut être pas mal, surtout quand il y a beaucoup d'ennemis. Même du chaos, faut les améliorer. Très important. Alors, saisir un ennemi étourdi confère don de force. Les esquives offensives, chaos tournoyant, inflige des dégâts. Ça, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'il me dit que j'ai deux trucs d'équipés? Mais d'accord, il me marque bien que j'ai deux trucs d'équipés. C'est quoi cet embrouille? C'est un bug? Il était temps que je m'occupe. Ouh, ah putain, je perds en force. Ah, mais j'avoue que niveau style, elles sont pas mal. Alors, force, renouvellement. Tiens. Intéressant. Parfait. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. J'ai cru que le dire, ça gardera des boules, des petites boules au chaud, mon petit Kratos. Allez, envoie-moi ça. Ouais, ouais, je prends. Ah, j'ai pas eu d'artefact. Ça devrait te durer un bon moment. Bon, moi je vais m'arrêter ici pour ce nouvel épisode, les loulous. Allez, sur ce, prenez soin de vous, pour son rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la attitude, comme d'habitude, vous. Vous connaissez la chanson, vous connaissez avec ce dicton, je vous laisse, je fais un poutou partout, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao, bye, bouti, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, peace!